La belge, la blanche, elle est belle. Mais comme vous pouvez voir là derrière, du coup c'est sur rendez-vous. Hello, c'est un long hello parce que je crois que ça va faire exactement 2 semaines que j'ai pas allumé ma caméra. Donc là je suis sur le point de voyager, donc je suis en train de me préparer pour aller voyager, les courses de dernière minute. Donc je me sentais pas du tout bien ces derniers temps, même là c'est pas la grande forme, mais voilà, comme j'avais réservé en avance pour aller en fait on the countryside, enfin je vais y aller pour quelques jours. Et là, je suis en train de me préparer pour faire quelques dernières courses. J'avais prévu de vous faire un unboxing depuis, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire quand je vais arriver dans l'hôtel. Voilà. Donc, je me suis commandé cette paire de Jordan parce que je n'ai pas pu avoir la main sur des Dunk. Donc, c'est ce que je vais porter. Ma chemise, elle est un peu froissée. Je suis un peu à la bourre parce que je suis un peu à la bourre. Je ne suis pas à la bourre en fait, mais comme en fait, on va en voiture. Et voilà, mon copain m'a dit il faut qu'on porte à 11h, mais ça sera mort. Et je dois prendre des sandales d'été pour Ilona. Ma chemise est complètement froissée. J'ai honte même. Et pour ça, il me faut une chemise comme ça en lin. Comme ça, quand c'est du lin, là. On va pas faire attention pour ça. Donc voilà, donc let's go. Donc le vlog d'aujourd'hui, c'est vraiment préparation pour le voyage. Ok, let's go. It's not that I don't want you here. It's something about the way you stare into my eyes. I know that I don't make things clear. I fall for you every time I try to resist. We can get away. Palm trees, beach views, ordinary day. Ok, donc là je suis en ville, je suis arrivée à Hermès comme vous pouvez voir là derrière. Du coup c'est sur rendez-vous. Faut attendre une heure, j'ai pas le temps parce qu'il faut que je fasse les courses vite. Là je vais aller à Zara prendre ce que je veux prendre. Donc je vais aller prendre ça rapidement et je vais quand même jeter un coup d'œil à Selfridges si à Hermès je peux trouver voilà, ma paire de sandales. Mais je voulais prendre un autre truc en fait. Je voulais aller chez Gucci en fait voir le chapeau. Oh. On s'est retrouvé à Selfridges, c'est la même galère pour Hermès, 1h30 d'attente. Donc là je suis venue voir les Birkenstock pour Destiny. Tonne-toi. Marche. On est à la recherche du maillot de bain, c'est une galère. Oh, on a mis ça dans le sac. J'ai trouvé ça parce que c'est, il n'y a que des fonds de collection en fait. J'aime pas trop la orange. La beige, la blanche, elle est belle. Ok, donc là, ça y en a fini. Là, je vais rentrer. J'ai vraiment traîné. Hermès, ils m'ont même plus rappelé. Je suis partie chez Gucci pour essayer des chaussures. Il n'y avait pas ma taille. Le blanc, c'était trop grand. Ils n'avaient pas du 38. Donc, je vais faire avec ce que j'ai. Vu que j'étais pas bien, je n'ai pas pu faire les courses correctement. Voilà les conséquences. Aujourd'hui, je me suis mis un boost pour pouvoir faire mes courses et forcer parce que j'avais envie de faire aussi
J'ai pas envie, mais j'ai besoin de faire du contenu là-bas. Et je vais faire avec ce que j'ai. Voilà, donc là on attend le taxi pour rentrer à la maison. Il fait hyper chaud. C'est une honnête destinée qui a trouvé son bonheur. Je me suis juste pris d'Europe, j'ai même pas essayé. Et ils ont annoncé de la pluie demain, mais il va faire quand même chaud. Mais bon, je vais prendre un chemisier quand même là. J'ai aussi acheté un maillot de bain aussi. Je pensais trouver un foulard qui va aller avec le maillot de bain, mais bon, j'ai pas trouvé. Anyway. Donc je voulais juste vous mettre au jus. Voilà, donc là je vais rentrer, vite faire, mettre tout dans les valises parce que j'ai déjà mis tout sur le lit. Il reste plus qu'à mettre tout dans les valises et on va y aller. Voilà. Ça va? Tomorrow we're going to swimming pool. I love swimming pool. You like the swimming pool? It's not tomorrow, it's today. Today? Mm-hmm. You said you told me we're going to tomorrow. No, we're going today. And she said we're going to stay a hotel. No, yeah, on Monday. Today is Monday. What do you want? An apple juice. Yes. Donc là, je vais vous faire l'unboxing, comme je vous avais prévu, des affaires que j'ai reçues et des affaires que j'ai achetées entre temps. Donc là, la dernière fois, j'ai pris cette robe là chez Zara et j'ai pris aussi cette robe là qui est malheureusement juste, mais qui est super jolie. Voilà, j'ai pris ça. Et j'ai aussi reçu ces chaussures, ces mules. Là, c'est le maintenant. C'est pas des mules de chez Karen Millen, comme ça, en vert comme ça. C'est la nouvelle collection. Très habillée, très jolie, avec une robe. Justement, j'ai choisi cette robe pour la porter. Ouh, pour porter ça avec. Voilà. Donc là, ce sont des affaires que j'ai reçues. Ensuite, j'ai aussi reçu
Donc, des bijoux de chez Cara London. Donc, j'ai choisi une chaîne, tout simplement. Je vais vous montrer. Une petite chaîne avec un petit pendentif en diamant. Comme ça. Voilà. Je mettrai tous les liens en bas, comme ça. C'est un peu un ras de cou, donc il n'est pas très long. Mais je trouve que ça fait assez chic et élégant, ce genre de collier comme ça, avec un petit diamant au milieu. Oups, voilà. Ensuite, j'étais chez Diptyque. À Diptyque, j'ai acheté... Je crois que j'ai rangé pratiquement toutes les affaires. J'ai acheté la senteur, non, le parfum d'intérieur figuier, qui sent super super bon. Donc comme moi je l'utilise, je le mets sur les rideaux, le canapé, et puis tout simplement dans, bah, dans l'air. Voilà, ça sent super bon. Je pense que c'est mon autre senteur que j'aime bien de chez Diptyque. Voilà. Et quand j'ai acheté ça, j'avais vu un unboxing sur TikTok. J'avais vu une dame en fait qui avait sorti les petites pochettes comme ça de chez Diptyque, et j'avais kiffé. Donc ils m'ont donné aussi deux pochettes comme ça, une petite comme ça pour mettre la bougie. Je pense que aussi c'est très pratique si jamais vous voyagez et que vous voulez prendre peut-être des petites bougies avec vous, vous les mettez tout juste à l'intérieur de ça. Et ils m'ont donné une plus grosse pochette comme ça. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai commencé à ranger les affaires. Donc j'ai pris aussi le gel de parfum pour les mains et le corps Philosikos, que j'ai vu aussi sur TikTok. Où est-ce que j'ai mis là? Ouais, j'ai rangé déjà la bouteille. La luminosité n'est pas top parce que je suis en train de filmer avec mon portable. Et il fait un peu gris aujourd'hui. J'ai plus de batterie sur ma caméra. Et je n'ai pas le temps de charger parce qu'il faut que je quitte dans quelques minutes. Voilà, donc j'ai pris la bougie baie. Mais je l'ai gardée comme ça. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai envie d'aller la changer, prendre la taille plus grande. Franchement, si vous ne connaissez pas baie, allez chez Diptyque. Sentez la senteur. Demandez un échantillon, vous allez kiffer, ainsi que les parfums, ils sentent trop trop bon. Cette bougie, elle est super bien. Je vous montre d'autres bougies, mais cette bougie-là, il n'y a rien qui l'a égalisée jusqu'à maintenant. Pour vous dire, même la senteur que je vous montrais de Dr. Ranges, le diffuseur, je suis vraiment tentée même d'acheter le diffuseur de là, parce qu'ils ont sorti des diffuseurs maintenant de maison, et j'ai bien envie d'acheter celui-là de chez Diptyque. Voilà. Donc, le gel douche est là. Donc, j'ai commencé déjà à l'utiliser. Super, super bon. On va dire que c'est une senteur assez boisée. C'est une senteur assez boisée. Boisée un peu orientale, je crois. Ouais. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais c'est le genre de senteur que j'aime bien. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. Bon, ça, c'est tout pour Diptyque. J'étais aussi... à Chanel la dernière fois, et j'ai acheté le gel douche Gabrielle, le parfum Saint Must Have, le gel douche Saint Must Have. Ils font toute une gamme de pour cette senteur là, tout simplement. Gabrielle, ils ont le mist pour les cheveux, le spray pour les cheveux, le gel douche, la crème parfumée pour le corps. Vous avez le déodorant, le parfum, l'essence, y a tout. Mais voilà, donc moi j'ai pris ça, j'ai pas encore pris le parfum, parce que j'ai pris ce qui est aussi commun à la dernière fois, peut-être le mois prochain je vais prendre. C'est une senteur assez vraiment très féminine, c'est sweet, c'est floral en fait. C'est floral et sucré, mais pas vraiment floral, sucré comme vous l'entendez. Voilà, c'est très féminin, très, très séducteur comme senteur. Voilà, donc j'ai pris ça, j'ai fait un TikTok sur... J'ai fait un TikTok avec ça et ça a eu beaucoup de succès. Et beaucoup de personnes en fait ne savaient pas qu'ils faisaient le gel douche. Souvent dans les grandes marques de parfum, en général, ils font toujours le gel douche maintenant. Ainsi que la body lotion. Voilà. J'ai aussi fait les soldes. Donc j'étais chez Net-a-Porter et j'ai acheté le pyjama de chez Olivia Von Hall. Ce sont des pyjamas qui coûtent la peau des fesses. Donc j'ai profité des soldes pour pouvoir commander un joli pyjama comme ça, parce que pour moi c'est un essentiel, c'est une forme de self-care, avoir voilà, des jolis dessous et des jolis vêtements. Voilà, donc j'ai pas eu le pantalon parce que j'ai traîné, il y en avait plus, donc j'ai dû prendre l'ensemble en chemise.
La matière même est tellement douce. Oh là là, mon Dieu. Donc voilà, donc vous avez le chemisier qui est là. J'ai pris tout en extra large. Et vous avez le short qui est là. Voilà, donc avec une petite ceinture devant. Voilà. Et, voilà. Et je l'ai pris en extra large. Donc voilà, souvent les affaires comme ça qui sont assez coûteuses, quand c'est les soldes, il faut profiter et se jeter dessus. Quoi. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer, je crois. Je vais pas essayer, je voulais juste vous montrer. Donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ce vlog-là. L'autre vlog, ça sera un peu plus mon week-end, mes jours en fait. Mon getaway ici en the countryside. Aujourd'hui, il fait pas beau, on n'est pas allé à la piscine. Malheureusement. Et puis bon, j'avais pas trop le temps parce qu'il fallait que je fasse un peu de contenu avec la petite. J'avais pas encore rangé mes affaires et là, j'ai même pas fini encore. Du coup, je vais faire un petit contenu dans la baignoire là avant de partir. Voilà. Destiny ? Yes. Donne-moi les baskets. Donne-moi les baskets là, s'il te plaît. Thank you, bébé. J'ai aussi acheté ces baskets, je vous ai montré la dernière fois, mais je trouve qu'elles sont pas très confortables. Ça me fait mal aux pieds et je n'aime pas la languette qui est là. J'aime pas. J'aurais voulu que ça soit en bas comme ça, fermé. Parce que je suis pas très grande de taille. Mais je trouve que les baskets qui sont trop grosses ou bien qui sont trop chargées, ça ne me met pas en valeur. Donc voilà, mais sinon elles sont super super jolies. Voilà, elles sont des Jordan par contre, ce sont pas des Dunk. Voilà, je mettrai le lien aussi en bas. Je pense que je vous ai tout montré hier. Je vous ai déjà montré le. Non, faut que je vous montre. J'ai pris le maillot de bain, un maillot de bain qui est comme ça très joli, de très très belles couleurs. Mais je pense pas qu'il est approprié en fait. C'est pas la bonne coupe que j'ai choisie. Malheureusement, il fallait quelque chose de plus qui tient plus par rapport pour ma poitrine, quoi. Vraiment très joli. Et franchement, en sol, c'était un bon prix. Parce que milieu Pucci, c'est. Voilà, ça vaut trop les poches, quoi. En plus, vous avez de la petite pochette. Franchement, tout ce qui est luxe, c'est génial. Parce que vous avez toujours des petits trucs en plus pour vous montrer que, voilà, c'est différent, quoi. C'est totalement différent. Et j'ai appris que en fait maintenant Zara aussi veulent faire un peu comme s'ils étaient luxe en fait. Un peu, on va dire, comme Massimo Dutti. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que Massimo Dutti, ça fait quand même plus luxe, meilleure qualité. Mais sauf que Zara, la qualité n'est pas là. Et j'ai remarqué que ces derniers temps, tout ce qui est Zara, les tailles, il y a un très très gros problème sur les tailles. Des fois, vous portez du extra large, ça ne vous rentre pas. Des fois, vous mettez du extra extra large, c'est trop trop grand. Il y a un vrai désordre. Après, honnêtement, j'ai pas fait beaucoup de courses ces derniers temps. Donc, c'est seulement ça que je suis allée acheter. Même pendant les soldes, j'ai pas acheté grand-chose. J'ai plutôt acheté des affaires pour les enfants. Donc, voilà. Donc, là, ça sera la fin de mon vlog. Je suis un peu fatiguée. Je suis KO. Et le prochain vlog, ça sera tout simplement mes jours ici et d'autres. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bye bye.